Le département de la vallée du Ntem, frontalier avec les pays voisins, est un département stratégique pour les agriculteurs, car les produits agricoles venus d'ailleurs et produits localement sont exportés vers les pays frères. Mais les producteurs de la vallée du Ntem ont des difficultés de production. C'est pour booster leur production que l'honorable Maître Mbiam a offert des appuis financiers aux jeunes agriculteurs de la vallée du Ntem. Parce que la richesse de notre département, c'est d'abord cette terre. J'ai encouragé les jeunes Valentinois aujourd'hui à commencer à cultiver des vivres pour qu'ils puissent améliorer leurs conditions de vie. Des gratifications aux enseignants de la vallée du Ntem, y compris les proviseurs de lycée. Près de 50 étudiants du département de la vallée du Ntem reçoivent ainsi les bourses universitaires. Premièrement, ça procure de la joie et une immense joie, surtout pour la rentrée. Nos rentrées, ça va nous permettre de pouvoir soutenir nos parents. Dans le même cadre, la section RDPC Vallée du Ntem 1 a reçu un appui de l'honorable. Au nom de tous les maires, au nom de l'ensemble des populations de la Vallée du Ntem, sincèrement merci à notre député, honorable Maître Emmanuel Mbiam, parce que il ne nous a jamais délaissés. Une occasion pour le professeur Asako Asako, vice-recteur de l'Université de Douala, de présenter son dernier ouvrage. Voici la plus belle fille des peuples et camps. Mise du Festival Vers Orient, elle a désormais les moyens de sa politique. Une cérémonie de récompense présidée par le préfet de la vallée du Ntem, muté dans la région du Nord-Ouest comme préfet du département du Ngokotundja.